Salut tout le monde, c'est Polo et bienvenue sur Fortnite Battle Royale. Et c'est le moment de jouer à ce jeu magnifique où nous allons plonger sur un territoire, chercher un gun afin de tuer tout le monde et se faire tuer. Ouais, parce que ça va dans les deux sens. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est jouer en mode duo, mais solo. Donc ça fait du solo duo dans un mode assez intéressant qui s'appelle Tous Ensemble. Ça vient tout juste de sortir. Et en gros, dans ce mode de jeu, l'effet du bleuvage est toujours actif, ce qui fait qu'on va toujours recevoir des vies et des chiens même si on se fait attaquer. Et le truc, c'est que les bonhommes qui sont à terre, par exemple votre coéquipier, votre partenaire est à terre, eh bien, il peut pas se faire tuer. Alors vous pouvez prendre votre temps tranquille, relax pour tuer le bonhomme qui a tué votre bonhomme. Si vous voyez ce que je veux dire, j'ai dit n'importe quoi. Mais bon, je crois que vous avez compris le concept. En tout cas, si vous voulez soutenir cette chaîne, vous pouvez aller dans la boutique d'objets juste ici. En bas à droite, vous cliquez sur soutenir un créateur. Vous écrivez ensuite nous pari-follow bleu. Acceptez, c'est gratuit, vous ne perdez rien. Alors n'hésitez pas à le faire, ça va nous soutenir financièrement pour qu'on puisse. Je sais pas moi, aller prendre un bain dans une piscine privée? Oh non, ça c'est quelque chose que je ferai jamais. En tout cas, on y va les amis! Alors mes chers potos, c'est l'heure de faire des trucs intéressants à Santé Springo. Regardez mes shields, ça monte! C'est trop nice! Quelqu'un est en haut? Aïe aïe aïe, je sais pas quel genre d'arme tu as frérot, mais... Minigun. Est-ce que j'ai bien compris? C'est un minigun, c'est ça? Mais bon, en tout cas, let's go, on y va, on va chercher un shotgun Rhino. Oh oh. Allez, donne-moi un gros shotgun, frère. Et voilà, ça va bien. Vous savez quoi? On va partir à l'aventure, on va sûrement trouver des trucs intéressants à faire. Alors, let's go. Je voudrais bien y aller. Oh, il y avait pas trop en haut. J'ai vraiment tiré comme une couille. Ah, oh, c'est vrai, je peux plus le tuer, ça sert à rien. Oh, all right. Oh mon dieu, regardez comment il a spammé son truc et moi je suis juste resté derrière la porte. Ça s'est pas brisé comme par hasard ça. Ok. Voilà. On prend ça. Joli toi frère. C'est vraiment la galère là-bas, c'est au sous-sol que ça se passe, ça se voit déjà. Waouh! Je l'ai vu. Oh my god. Y'a un gars avec un minigun. Mais quand je vous disais qu'il y a un minigun... Oh! Et c'est pour cette raison que je voulais pas foncer en bas. Voyons donc, stupido! Ah, y'a plus de munitions. Ok, ouais, je suis obligé de prendre ça hein, si je veux survivre. J'ai pas de shotgun, oui, non. J'ai pas de shotgun, oui, non. Je vais garder ça au cas où. Pour plus tard. Ah, c'est à moi ça. Non, mais c'était ridicule, voyons donc. Bah. Ok. Qu'est-ce que je fais? J'ai vraiment pas quoi faire, mais... je crois que je vais juste me diriger... Oh! À Dusty? On va voir ce qu'on peut faire, et c'est ça qui est ça, là, parce que...
Ouais. Laissez-moi vous dire que ce que j'ai en... Oh my god. En ce qui concerne les hommes, c'est pas fameux. Ok, il me semblait que j'avais pas imaginé. Il y a vraiment du monde ici. J'ai quelque chose pour me propulser en l'air, alors c'est pas grave si on me fait tomber. J'ai comment entendu descendre en bas. Frérot! What? Ok, non, c'est ridicule! Le bonhomme... What? Sans que skin, bro! Oh my god, yo, bro! Ok, c'est fini pour toi! Wouhouhou! Oh, mais est-ce que... Wouhou! Non mais ce bonhomme il courait comme non stop bro what oh wow ça c'était ridicule j'ai perdu tout mon temps à tuer un bonhomme comme ça qui s'enfuit en longueur de journée c'est pas croyable oh dude mais bon écoutez ce n'est pas si grave que ça on va voir si on peut faire du quoi d'intéressant maintenant let's go ah. Oh, oh. Honnêtement, les vannes de réanimation ne servent à rien, hein, quand j'y pense. Oh, ok, je l'ai vu. En fait, je les ai vus. Quelque chose. Ah, oh, je peux pas. Oh. Ça me dérange pas d'attendre, hein. Oh my. Ok, nice. Attendez. Ah, les loot dans ce jeu sont pourris maintenant. Ben, comme... Ce que je veux dire par les loot, c'est... La façon de looter. Des fois, une potion est juste devant toi, mais tu peux pas la prendre. Ah, je t'ai vu. What? Oh! Ok, yo! Le bonhomme il a quitté en pensant que j'allais pas avoir les kills! Oh non, vous êtes pas sérieux! C'est pas comme ça que ça marche, frérot! Il était comme, oh non, je vais pas donner le kill à ce gars-là! Allez, viens quitter la game! Il a complètement foiré son coup, voyons, non, c'est pas croyable! Le kill est quand même à moi. Ok, c'est pas diabolique du tout là, mais bon. En tout cas, on y va les frérots. C'est un mode de jeu assez stupide. Je peux pas tuer le bonhomme qui est à terre. Je peux pas stresser son coéquipier. Je peux rien faire. C'est cheaté au max.
C'est cheaté pour moi parce que j'ai du bluffage à l'infini et je dépends pas de mon partenaire pour l'avoir. C'est cheaté pour mes adversaires parce que le gars qui est à terre, ben, il peut pas se faire tuer. What the hell? Mais bon, en tout cas, let's go! Si vous voyez des gens, n'hésitez pas à me le dire, comme ça je peux descendre et... Ah ben c'est vrai, je suis pas en train de live stream. Quelqu'un s'est fait descendre avec un fusil de sniper, d'accord. Ok, je vais aller chercher le drop Perino. Parce que c'est possible que quelqu'un soit là. Oh! Mais non, non. J'attendais! Yes! Ok, je tire vraiment comme couille! Oh boy. Wow! Attends. Mais comment ça, il est mort? Oh! Ok, je me suis fait voler mon kill! Ah, je m'en fous, man. Je m'en fous parce que j'ai des trucs pour me régénérer à longueur de journée qui s'appellent... Attendez, d'où viennent les shots? Oh. Attendez! C'est trop! Je crois que je dois reset la fight, hein? Si je reset pas la fight. Ah, ben non, c'est vrai, j'ai. J'ai complètement oublié que j'ai des bombes ninjas. Oh wow. Oh non, ça c'est nice. Attendez. Je vais juste prendre ça vite fait bien fait. Utiliser ça vite fait bien fait, voilà. Y'a pas de sniper, hein? Nope. Attendez. Oh, j'ai 4 launchpads, je savais même pas. Est-ce que c'est moi ou bien les pièges n'existent pas? Hein, c'est bien bizarre. Bon, en tout cas, il reste encore 4 bonhommes. En tout, 3 autres bonhommes à aller tuer. Let's go! Je crois pas que je pourrais gagner la partie parce qu'à la fin je stresse toujours pour rien là, mais bon. En tout cas, j'ai pas besoin d'utiliser le launchpad pour faire quoi que ce soit. Tout ce que j'ai besoin de faire c'est bouger. Normalement. Oh! Ok, j'ai vu un des bonhommes. On va attendre le prochain cercle, voir qu'est-ce qui se passe. Wow, ok, ils veulent me sniper. Bleuvage. Je me demande si je peux avoir deux bleuvages en même temps. Si vous voyez ce que je veux dire.
Bon, écoutez, on va utiliser ceci. Je crois que ça va être bon. Attendez, je suis en train de perdre n'importe comment. Voilà. Je vais pas me laisser faire. Dès que je pogne un bonhomme. J'ai pas envie d'utiliser un launchpad, je me fais attaquer et je perds plein de vie sur. Oh, mais j'ai des grenades. J'ai des grenades ninja. Laissez-moi voir où est le dernier bonhomme parce que. Vous savez, il reste un bonhomme qui se cache, moi et deux autres bonhommes sur la montagne. Alors je me dis que. J'ai pas besoin des rochers. On va attendre le prochain cercle pour être honnête avec vous. C'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus efficace, beaucoup plus logique. Attendez. Vous n'êtes pas. Ok, ouais. Vous savez, je peux vous faire tomber et faire perdre beaucoup de vie, hein. Mais bon, on va se la jouer safe. On va attendre notre bonhomme. J'ai aucune raison de rusher. On va se la prendre tranquille, relax. Parce que je sais que le dernier bonhomme va pas se faire tuer. Il est comme de mon côté, ça se voit déjà. Il est sûrement vers Lonely Lodge ou quelque chose comme ça. Oh, snipe. Il attend que je fasse un trou. Ouais. Ok, c'est bon. On va se la jouer safe. Tranquille, relax. Mais pour quelque raison, je sens que je vais perdre la game. C'est toujours comme ça, ouais, y'en a. Ah, attends, attends, attends. Est-ce qu'ils ont vu quelque chose? Non, 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 non. Eux, ils ont le bord du cercle. C'est correct. Ouais, je suis vraiment désolé de jouer qu'on perd. Mais quand t'as pas le choix, t'as pas le choix. Ok. Ils vont devoir venir vers moi, alors. Chut. Dites-toi à personne. Dites-toi à personne, Pépito! L'autre bonhomme était avec eux! Oh! J'étais sûr à 100% qu'il était avec moi! Oh! Avoir su, je serais allé. Attendez. Oh my god. Ça fait longtemps que je joue pas de cette façon alors. J'ai fait n'importe quoi. Oh. Qui ne tente rien à rien. Wow! Wow, 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 wow! Oh, je l'ai activé beaucoup trop tard. Je vais pas mettre de feu de camp. What the? Ah, j'ai réussi mon coup! Nice ou? Je crois pas de chance. Ah, oh, il va ressusciter son poteau. Oh non. J'ai fait la plus grosse erreur de ma vie. Pourquoi je stresse autant dans les derniers kills? À chaque fois que je joue au début de la game, tout est correct, tranquille, relax. À la fin, je stresse toujours. Ah, l'autre est dead. What? Ah, yo, ok, non, mais je vais attendre, hein. Je vais attendre.
Parce que moi, mon breuvage, comme ça marche pour moi, mais pas pour lui, il me semble. Je pourrais juste faire un petit plan comme ça, là, mais... Yo, cela joue safe, les potos! S'il avait sauvé son poteau, j'aurais été dans le caca, man! Wow! Ok! My goodness, j'ai cheaté avec mon bleuvage personnel, mais ils ont cheaté avec le fait que les poteaux à terre ne peuvent plus se relever. Mais je peux pas les tuer non plus. C'est cheatage en maudito, ce mode de jeu, c'est pas incroyable. Alors mes chers potos, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Nous allons continuer notre aventure la prochaine fois. Alors il faut avouer que c'est un mode de jeu assez intéressant si vous avez un duo de la mort et... Ouais, en gros c'est ça. Donc si vous voulez soutenir cette chaîne, vous pouvez laisser un petit pouce bleu qui pointe vers le ciel, mettre le code Nobari Polo Bleu si vous voulez me soutenir en tant que créateur dans la boutique d'objets sur Fortnite et surtout vous abonner à cette chaîne pour qu'on puisse se retrouver dans la prochaine vidéo. Bye bye!